Est-ce que tu étais content de ta journée? Ouais, on en a chié, c'était dur. Le temps était de la partie. Ouais, c'était pas mal, ouais, pour ça. On reconnaît que le parc vélo était superbement organisé. Je sais pas, mais dis donc, les mecs, ils ont bien bossé. Hein. Regarde un peu là-bas, tu peux les. Hey, mets ta caméra par là, tu verras, tous Absolument, les gars sont encore en train de travailler. Je viens d'aller les filmer. Hein, t'as vu ça, l'équipe? Je reconnais que l'équipe était sensationnelle. Hey, ils ont vraiment bossé. Hein. Sensationnel. Toute la bonne équipe, là, tout, c'était. Tout bien. Est terminé. Ouais. Il y a à peine une heure que la course est terminée et tout est mis en place. On est même en avance. Fabuleux. Allez, ouais, c'est bon. Ouais. Encore merci, salut. Au combien passe tout de suite le micro. Bien, je vais vous épargner, ça ne sera pas très très long. Bientôt olympique, le triathlon a trouvé à Créteil le support idéal pour son épanouissement. Les résultats de ses équipes et son école sont là pour en témoigner. Quant à l'épreuve que nous avons vécue aujourd'hui, elle est due à l'engagement sans réserve de la ville de Créteil, de ses services sportifs et techniques, du conseil général du Val-de-Marne, de l'OMS et de son dynamique président et parfois triathlète. Camille Lecomte, qui a été, tout au long de la préparation de cette manifestation, extrêmement coopératif, ainsi que l'US Créteil Général. Un grand merci à tous. Merci à vous également, amis sportifs, licenciés. Comment vous faites, vous avez l'habitude, là. Athlètes de haut niveau, journalistes, personnalités, qui avaient donné à cette fête du sport une dimension exceptionnelle. Surtout un grand merci aux triathlètes, à leurs familles, mes amis, à leurs connaissances, etc., qui ont fait du parcours cycliste en particulier un parcours de sécurité. Un grand merci. Quant au tri-relais, officialisé depuis aujourd'hui par la Fédération française de triathlon, il a trouvé tout naturellement ses racines dans la terre cristolienne. Enfin, monsieur le maire, mon équipe et moi-même sommes heureux, en hommage à votre assiduité à l'épreuve, ainsi qu'à la qualité de vos performances, de vous remettre la première licence de triathlète d'honneur de l'US Créteil. Vous pédaliez, j'en suis fort aise, et bien nagez et courez maintenant. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en mon nom personnel et en celui de la municipalité, je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui ont concouru
à ce triathlon, tout d'abord bien sûr comme sportif, mais aussi comme organisateur, puisque le succès de cette épreuve est bien sûr tout autant le succès de l'organisation que de tous les participants. Je me réjouis avec vous que le triathlon soit une discipline sportive reconnue et qu'il permette l'animation de Créteil, notamment à l'occasion de manifestations comme celle d'aujourd'hui. C'est avec plaisir que je reçois cette licence de triathlète, bien que ma plus grosse difficulté, ce n'est pas de nager, de courir, c'est d'accéder au stand. Mais c'est des problèmes d'organisation que nous lèverons à l'avenir, à mesure que nous connaîtrons mieux. Donc, Monsieur le Président, merci à tous de votre aide. Tous mes compliments à tous ceux qui ont participé. Je crois que, bien sûr, à ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats. Mais dans une manifestation comme celle-ci, je crois que ce qui est important, c'est de participer et que cette manifestation sportive rejoigne la fête et le plaisir de se retrouver. C'est en tout cas ce que j'ai perçu en passant quelques instants parmi vous. Merci. Éric Plantin. On va les accueillir sur ce podium et les applaudir très très fort, ils le méritent. Et leur récompense sera remise par Monsieur Laurent Catala, maire de Créteil. Un record qui reste à battre, naturellement Bob, donc qui reste à battre l'année prochaine, un record de 6 minutes et 36 secondes. Les outsiders, ils étaient peu attendus d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais ils ont été présents au rendez-vous en tout cas. Et on va rappeler quand même les trois noms, donc Claire Meunier, Bernard Thierry. Leur médaille, bien entendu, et leur coupe. Donc, allez faire un séjour roi en bas. Teto, Tison, il y en a un troisième que je ne connais pas. Et il en manque un, là. Votre nageur. Gus, tu vas nous donner le nom des trois partenaires. Gus, Franck et David. Gus, Franck et David qui représentaient donc l'équipe des Canailles. Et donc, ce challenge sera remis par Madame Robert Houbon. Que vous pouvez applaudir très très fort, bien entendu. De Robert Houbon, David. Il y a certainement un lien de parenté avec la société Balder. Certainement. Il est là, Jonathan. Tu te retrouves seul à représenter la Ligue Île-de-France. Le médecin de la Ligue, je crois. Trois générations présentées dans cette famille. Le grand-père faisait le cyclisme, je m'en serais douté. Et la fille, la natation, je m'en serais douté. Normalement, vous avez dû faire la course à pied. C'est bon. Et on enchaîne tout de suite avec le challenge allemande. Ah, elle nageait bien. Madame Frobillo, le fort. Voilà pour ces trois féminines, on les applaudit très fort. Il s'agissait du prix des féminines. La photo, mesdemoiselles. La photo, mesdemoiselles, voilà. Et on va enchaîner Jean-Noël et on va conclure.
à notre fête du sport et je crois que tout le monde est à la hauteur. Et à ce propos, je tiens surtout à remercier tous les compétiteurs non-triathlètes qui ont appliqué le règlement à la lettre. Grâce à eux, je crois que le tri-relais est appelé à devenir une épreuve officielle. Et je vous en remercie encore. Maintenant, on va tirer au sort le séjour à Embrun de 2 semaines entre toutes les équipes qui ont terminé le tri-relais. Bon allez, en attendant le suspense, on va rappeler vite fait la famille Rougier parce qu'il y a un bouquet. Alors, il y avait la petite fille. Elle et puis Patricia. Voilà, Patricia, Isabelle. De ville. Dans les salons de l'hôtel de ville, bien entendu. Oui, en face, voilà, juste en face. Si vous êtes... Quentin. Oui, Jacques, t'es content de la journée. Super, une grande journée de fête, une grande journée sportive. Un grand bravo à Pierre et à Philippe. Ils étaient tout à fait à l'honneur. Tu parles du triathlon, comment le triathlon, c'était superbe, on a eu plein de sportifs dans une grande ville. Et je crois surtout, le sprint était déjà fabuleux, puisqu'on a eu des athlètes de dimension mondiale, avec McCarthy. Et puis surtout, le tri-relais nous a vu récompenser des gens qui sont venus de toute la France, certains d'Europe, et ce qui veut dire que c'est une épreuve qui va très rapidement être reconnue. Et je me réjouis également, à propos du triathlon, de sa prochaine entrée au niveau olympique. Et je pense que dans 4 ans, le triathlon sera au rendez-vous olympique. Merci. Je pense que ça s'est super bien passé, je suis très content que ce soit terminé et je pense qu'avec tous les copains, on est prêts pour l'an prochain. Merci. Monsieur le Président, vous êtes resté dans l'ombre, comment ça s'est passé cette journée? Dur, mais fantastiquement bien parce qu'il y a eu beaucoup d'animation, beaucoup de monde, à telle enseigne qu'on a dû refuser du monde pour le relais, donc sur ce point-là, c'est la satisfaction absolue. Vous n'avez pas vu beaucoup le soleil malgré qu'il était de la partie. Non, ni soleil, ni tellement à boire et à manger parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde soit heureux et satisfait des résultats. Un grand merci pour la journée. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce que tu penses de la journée? Eh bien, moi, j'ai fait ma dose d'adrénaline. Hein, ça, je peux te dire, ça a speedé toute la journée. Heureux? Et puis, maintenant, oui, là, maintenant, on va décompresser. Moi, j'ai bien dormi. Hein. Mais tu sais, quand j'ai vu qu'à une demi-heure du départ, on n'avait pas encore les chronocalculs en place, et puis qu'à 2 minutes du départ, on ne savait pas où étaient les mecs de chronocalcul, c'était impressionnant. Et finalement, tout était en place, ils étaient là. Je crois que la journée était vraiment réussie. Bien, non, c'est... Je crois pas. Moi, j'ai pas vu grand-chose des courses parce que j'étais coincé là-haut dans la petite maison. Mais c'est vrai qu'on a bien ramé, on a speedé. Bon, on a eu une coquille avec les résultats juniors, c'est vrai qu'il y en a un qui a été mal pointé. Mais une seule coquille sur 2 épreuves, c'est quand même pas mal. C'est magnifique, je crois que la journée a vraiment été réussie. Et puis un quart d'heure de décalage sur le timing de la remise des prix, c'est quand même pas mal.
Il y a bien des mecs qui ont râlé en disant que c'est ce bordel, on n'a encore pas les résultats, on a 300 bornes à faire et tout, mais je crois qu'on a fait le maximum. Hein. Surtout, on n'est pas les pros en informatique. Je crois que c'était fabuleux. Avec des amateurs pour faire la saisie. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que s'est passé le triathlon. Alors je pars, je ne sais pas si je reviens. Ouais, bon, on est certain qu'on a besoin de toi de toute façon. Non, mais ils vont bien me laisser revenir. Voilà. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de moi, les Russes? Encore merci. Alors, comment s'est passée la journée? Écoute, très bien, je pense que tout le monde a été content. En ce qui nous concerne pour les ravitaillements, ils étaient tous ébahis parce qu'ils se sont dit que pour les autres triathlons, il n'y avait pas eu ça. C'était très très réduit, pas à boire et tout ça. Là, ils ont eu en abondance. Alors, je pense que tout le monde est content et pour les années à venir, on aura énormément de crédit. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. En tous les cas, je crois que le ravitaillement, c'était fabuleux. Et vive le triathlon de Créteil. Merci, au revoir. Au revoir.